Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parle Mislan. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, pas bon ici là, nous demandons justement pour faire ça, vous appuyez le bouton subscribe, abonnez et vous appuyez la cloche là pour être capable de connecter avec nous. Mes amis, nous portons une information qui est importante, surtout pour la communauté TPS, là, ou même sur TPS, ou même qui est monde sur TPS, c'est important. Parce que la nouvelle qui s'allie, c'est que tout doucement, sans vous pas aller dans la nouvelle, vous avez un bagage qui changer là. Parce que en pile monde fait face à elle, bien que moi personnellement beaucoup fait face à elle, mais on dit gagne plusieurs haïtiens, c'est surtout en Floride ça fait. En fait, yo rapporte le fait l'autre côté tout. Trump cap essayer bloquer TPS pour joindre résidence. OK? Et on parler pour qu'elle comprendre bien ça n'a dit là, il son bagage qui était qu'on fait, gagne monde qui joindre résidence là dans déjà. Je dis à USCIS la deny, elle dit la ba refus. À application qui prend même route que ou l'autre monde de TPS fait déjà. OK, on essaie expliquer mes amis. Nous surtout à parler avec TPS peut-être qui entre pays a qui pas inspecté qui pas admitted TPS par exemple qui t'est déporté déjà. Tout TPS quel que soit mauvais statut ou te gagné. Eh bien depuis ou al faire application en fait n'a pas les surtout avec TPS qui était par exemple nous connaît qui pas admitted qui pas inspecté ça passe dans bateau. Eh bien ça on te qu'on fait ça en pile monde qu'on ba yo advice conseil fait you fait un travel document y a l'Haïti ou bien tu gagne au Canada tout n'importe pays yo tourner qu'on est là pour remplir condition qui te dit yo inspecté admitted ça veut dire là yo pral changer statut son technique bon bon monde qui joine résidence c'est comme ça n'a pas les surtout avec monde qui pat, n'a pas les surtout avec moun qui pat inspecté. C'est technique ça utilisé. Même j'en tout, même les moun ou te déporté, avait dit ou prend dernière décision ou même, ok, eh bien, c'est facile ou pat nan problème ou pat besoin ou te ou, rapidement, c'est que ou te ka changer statut. Je ne j'en dis, eh bien, n'a bon détail qui ça qui dit. En pile moun, en fait, des avocats qui travaillent dans le domaine, nan, vous pouvez comprendre que l'administration Tromplan li commence à bay refus avec yon bagay qui était là déjà. Qui en pile moun, c'est comme ça, rejoindre résidence. Li vin ran ni presque impossible pour plusieurs moun qui sont TPS joindre résidence. Et ça veut dire que ça, si moun n'a pas qu'à joindre résidence, de toute façon, il n'y a pas qu'à venir citizen tout, parce qu'il faut résident avant pour citizen. OK? Donc, bah ça li affecte haïtien mais l'affecte moun ki soti Andura à toute la communauté qui soti PS là et pas grand ken t'allez bien ça n'a dit là pour comprendre bien et pour comprendre qui on va mener bataille ça tout pas grand ken nouvelle politique qui annoncé sous cause ça mais en pile moun ti PS commence à sentir résultat yo rapporté plusieurs cas qui gantant touché par changement ça. C'est un changement qui pas annoncé, qui pas grand aucune explication. OK, par exemple, gagnent des groupes catholiques. En fait, nous connaissons gagnent catholiques charité yo, yo fait yo konn bay aide dans sens ça. Yo dit yo gagne plusieurs moun yo fait application pour yo. Yo dit que nouvelle politique ça qui pas annoncé, qui va écrire quelque part, c'est comme quoi li changer yon bagay qui était là depuis des dizaines d'années et la yo a appliqué le sans pas grand aucune notice, pas grand aucune légal analysis et pas gen ken loi qui justifie le tout. Pour le moment, je parle avec nous là. Majorité kasa yo, yo concerne moun kap vive. Ta parle di ke ou même qui pa nan sauf Florida ou ka victime de li tout. Mais yo concerne surtout pas moun qui sauf Florida et puis fo moun qui victime là dan yo, c'est des haïtiens. Parce que nous connaît lors di sauf Florida, Miami, puis fo TPS yo, c'est des haïtiens yo. Mais, ça veut dire que tout le monde qui bénéficie de TPS, tout, vous avez un target de nouvelle politique. Ça. Et maintenant, nous bien dire, c'est un changement, parce que pendant plusieurs années, plusieurs monde qui étaient sur TPS, ça a fait, si tout le monde qui pas admis, n'a pas les surtout avec le monde qui pas admis, pas inspecté, ça a fait, eh bien, vous voyagez,
yo kite peyi avec un travel document, mais rendu yo rentre. Et puis là yo rentre, yo mette sou sou yo ki vin fè, yo rempli condition ki yo te inspecté. Parce que c'est parole yo parole, OK? Ça qui permet que yo vin fè application, parce que yon nan condition lorsque yo ap fè application pour gagner permanent résident, yo mande est-ce que tu es inspecté? Est-ce que ou tu es admitted? OK? Donc en pile moun jwenn résidence comme ça. Mais kounye la, yo commence à constater que dans plusieurs cas USCIS la bloqué moun sa. OK? Par exemple, nous gagnons yon avocat qui nan Miami, li dit te gon case, c'était un client haïtien qui se sou TPS. OK? Li kite pays en 2017, li tourne avec ça nous connaît un travel document qui permet que le rempli condition qui dit l'inspecteur la limite là. Et puis le connaît l'autre tourne comme si vous une parole et puis l'entre dans pays là. Et puis il dit même gen stamp sur travel document tout bagay. OK? Suivant ça la loi dit. Maintenant suivant politique ça, on comprend bien ça n'a dit hein, mais il se trouve que dame ça eh bien yo pabali et the adjustment of status, il y a eu tabal un refus. Et alors que l'oral non politique manuel, tenez bien, officier ou le a décidé, yo décidé en fonction de ça qui écrit dans policy. Yo pa, comment bien, yo pa mek tête yo gon manuel qui dit mes gens pour yo traiter kayo. Et a pas suivant ça qui écrit dans manuel politique genre traitement cas de dans USCIS. You moun ki gen travel document, ça nous relé I-512 là, elle a dit travel document là normalement li capable appliquer pour vin gen permanent résident même lorsque li té entré dans pays a de manière illégale. OK? Maintenant, suivant lettre que vous voyez ba client ça, vous fait comprendre que li pas éligible pour vin permanent résident. Lettre a expliqué que USCIS kounye la pa gen juridiction pour yon moun kap vin permanent résident nan jan de kasa yo. Tade bien, parce que faut vin tande tout ça d'abdia pour nous comprendre bien. Yo di que actuellement USCIS la considéré tout TPS récipient qui quitte pays ya, qui tourne. Yo di actuellement yap reviewing case la. Maintenant, bon, même lorsque tu as dit wap review case là, tu as supposé kembe on hold. Son case ou pas ka deny li. Maintenant, nan kam, on a expliqué là son moun qui était entré dans pays illégalement et qui était gagné dernier order of deportation avant que li te vin gagne TPS là. OK? Et maintenant, nous connaît que date TPS pour terminer c'est pour janvier 2021 jusqu'à 21. Donc ça avait dit que c'est un problème li vinye. Nous gagnons, ils rapporté plusieurs, des centaines de cas, même milliers de cas qui sont dans la même situation, qui étaient déjà approuvés déjà. Donc, qui explication qui gagne ce changement ça a rien. Il y a des gens qui relè, ils ont fait appel, en fait, ils ont relè USCIS, par exemple, journal là, le grand journal qui relè, vous dit, que ça passe là. Ils ont dit oui. Yo conscient de bagay sa, y a prévisé, tendez bien, li on the review. Et yo di, y a prend décision, yo gen pou. Bon, comment faut di ou prend décision pou gantan bay dinan la, ou review. Est-ce que c'est une nouvelle politique yo pral mette déjà ou pou ka review sou di ou bay, ki pa make sense. OK? Donc sou t'ap ou sou ap review bagay, ou pa ta suppose ap deny li? En fait, bay sa m'a parlé avec nous là, li commencé depuis mois décembre qui se passe ya, janvier, moun apre kez sa yo. Pendant ma pala avon la, apre gen de toi, moun bakon ti apre kez by kez. Gen de moun yo kembe ke yo pa vwe dinay ba yo. Men yo kite le pending. Men pending nan son problème, ou pa ka kembe kez moun nan pending net ale. Yon bon moun kounye la yo kembe le pending. Se table di ke sa, ba sa mandon lot batay anko. Peut-être n'a besoin combat a clou. En fait, tout moun ki soutipi sou gen kez ou pending. C'est un deux choses ou capable bon limite pending non pas qu'un bébé mon nom de manière indéfinie. Donc nous l'autre bataille encore pour TPSO. Moi je dis pour tout le monde ça n'a pas fait la fait dans Florida ou quand on est dans New York, mais je souligne pour vous même captain de bon côté dans pays ya ou pas dans tête chargé ça ou pas mando
pour aller voyager, vous comprenez, pour capable remplir condition qui dit ou t'es admitted inspected là. Vous comprenez? M'a cité zone ça pour vous, ça veut dire soit dans zone ça au fond 6 mois. Bon, pas obligé de faire tout effort ça, mais nous voulons tout ça. Parce que tout gain deux US appeal court, nous parlons de 6 and 9, ça veut dire 6e et 9e circuit appeal court, il dit que tout TPS le fait que le TPS il pas besoin à voyager pour le tourner pour remplir conditions inspecteur. Zone ça yo, c'est California, c'est Arizona, c'est Alaska, c'est Hawaii, c'est Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington tout, Tennessee, Ohio, Michigan, nous gen Kentucky tout. Donc de manière technique, si par exemple ou déplacer macron au fond 6 mois ou vivre dans zone ça yo la paix, si c'est ça pour faire bien entendu pendant que m'a parlé avec nous là, ça va veut dire que yo dinay tout ke, ça va veut dire pour dinay que soit ou même captain de mais nous bon c'est des séries de monde qui voye application déjà des monde qui vient dinay et yo du bon bande monde yo kembe kez yo kembe net aller yo pas me dire rien. OK. Maintenant, ça passe. Est-ce que une nouvelle politique pas rien? You just came back kezou jusqu'à ce que s'il y a une nouvelle politique ou bien s'il y a bon bagaille qui va le créer, you just came back. Et ça cap passer pour un pile monde. Nous expliquons que ça bien qui dans situation ça. Son bagaille qui vraiment confusing et qui vraiment unfair. Un bagaille vraiment qui pas juste. Pour tout le monde qui a une bonne pending application en main. OK? Ça vous comprend? Donc, et ça que même toujours un problème avec des séries de monde qui vont comprendre qui ça a intérêt ou pour aucune raison, on va parler de l'administration, ça va peut-être faire mal. Il y a quelques rares monde qui doit gagner un argument. Comment se fait-il que vous dites avec un monde qui a fait tout gens pour toute politique qui c'est pour nuire avec la communauté maintenant? Bon, on va parler comme ça pour moi, pas haïtien pour moi. Parce que je dois dire tout le monde, être haïtien, ça ne veut pas dire que l'on sorti en Haïti. Pourquoi doit sortir en Haïti? Je suis dans le langage, tout ça, on fait ce qu'on veut. Ou pas nécessairement haïtien parce que ou pas travail pour intérêt. That's it. Donc, ça pour nous comprendre là, c'est quelques têtes dans l'USIAS qui sont capables de faire pour l'autre fois encore pour capable blesser la communauté TPS là. C'est ça qui a passé là. Yon bagay qui gen pak sous plusieurs TPS qui a cherché régulariser tête yo. Yon bagay qui complètement légal. OK? Donc ça veut dire nan bataille qui gen avec Donald Trump, nous connaît dossier li en appel, mais mon l'autre bataille encore là k'ap gen. Donc ou même qui nan situation ça qui est pending, ou a toujours relé yo. S'il le faut, on va toujours le bouquet de sa cap fait parce que yo pa ka kembe kez la de manière indéfinie. Li complètement illégal. Ou gen des moun ki sou TPS, ou di yo pa légal, y ap chèche légaliser tèt yo ou même ou ap mete problème. Ou ap ba ou problème pour empêcher yo légaliser tèt yo. Tout ça yo fait. Là pour exemple administration ça, premièrement te gon vie visa. On vient visa et pour chant li couper. On visa chant ou te konn ba pou moun yo les ba la pa bon en Haïti, gen des aide agriculteur que doit travailler dans chant ou bon visa, li couper. Yo haïtien te konn on sorte de parole Obama te ba yo, les moun a fait trop en Haïti, li ka vini sit li tan résidence trop couper. Tout ça le penser contre communauté a comment? Et puis ou quelques rares moun qui a quel qui argument? Hein? Donc voilà, et on l'autre problème encore, et Donald Trump mettait en face et TPSO. Et donc, on souhaitait que nous au courant de ça, et pour nous essayer qu'on est, pour nous armer, pour nous connaître l'autre bataille encore. Mais nous bonne option, hein, et problème USCIS, là, ça l'a fait, elle connaît pas légal. Ça l'a fait, elle connaît pas légal. Ça veut dire que nous avons bataille avec nous, avons fait loin, nous avons fait à pile. Et en ce sens, je pense que faut nous partager nouvelles ça parce que son bail a fait quoi être lui, nous en avons là.
C'est vrai que quand bon monde, des catholiques charité, des ensemble d'avocats, qui ouais, qu'est-ce là commence à présenter quoi dire, c'est qu'à passer là, ben bah il va changer. Ça dit son bagage qu'a fait en bas, qui te comprend bien. Son bagage en bas qu'a fait là, en bas illégal, tout le monde dès qu'on a vu une résidence comme ça, et puis ouais, on commence à voyer des toilettes pour dîner mon yo. Donc c'est ça qu'a fait là. Donc, au même bon côté pas on a demandé justement vidéo ça, partagez-le pour que tout le monde soit conscient de problème là justement. Pour que yo bataille justement contre ça. Et si mon jeune moyen pour changer statut, c'est moyen ça que rien. Yo pas qu'à bloquer dans ce sens. Et moi demande tout le monde, s'il le faut, bah connait son si c'est option ça qu'on gagne pour la bombe ou bien de manière légale, gagne qui était pending ou tout nous il y a tout gagne moyen pour battre dans ce sens. Parce que ça faire son bagage hors de la loi. Mais moi même dans le monde, si c'est si j'ai possibilité à pour m'aller une d'un côté samedi là. Tout ça m'a fait m'fèl, si bien que m'konnel vraiment un peu difficile, t'as eu dit, pour mal font titan, bah konnen, en California, ou nan zone sa Oregon, mal fait li, m'kontourne l, yeah, boy sa lié, m'kontourne yo, pou ke papio, si c'est ça, ou aller na, ou dégage ou aller Arizona, Alaska, ou nan kote sa ou possible pour bon temps, Oregon, bon bien que m'konnen difficile, ou déplacer pour l'autre côté, gen bill, ou ap travail. Mais si m'bagen l'autre moyen, il y a un problème toujours. M'kafè. M'di pour moun ki kafè. Parce que ça y est, on dit qu'en dernier ressort, vous comprenez? Que vous allez faire? Donc voilà, pas oublier que nous-mêmes, pas ici de là, non, là, justement, pour nous porter bah où, toute dernière information, actualité qui a passé, pas ici aux États-Unis, en Haïti, mais toutes les informations pertinentes que nous observons dans le domaine immigration qui concerne les communautés haïtiennes, c'est pas ça que nous créons pour vous. Et pas oublier que nous dit tout le monde qui est avec nous, le monde qui est habitué avec nous, pas ici de là. Bien important pour aider nous à grandir communauté à et au même souvenir à cliquer sur s'abonner subscribe mais tout et partager vidéo nous sur Facebook vous et sur WhatsApp pour justement communauté ça capable grandir plus et c'était un plaisir pour moi pas oublier que nous toujours live le mercredi avec le dimanche à compter de 8h 9h côté que nous parler pour nous bailler un résumé de ça qui domine l'actualité à mais côté tout nous répondre question qui gagne rapport avec l'immigration, nous invitons avec nous. Jeudi à ce mercredi et 6 novembre, Nap Lapita, on dit entre 8h à 9h, nous invitons avec nous. C'était un plaisir. Portez-nous tout bien.